Bonjour à tous. Le stress peut-il entraîner une perte d'érection? Le stress, en effet, peut induire des difficultés d'érection. Il s'agit de deux situations différentes. La première est la perte d'une érection de façon brutale au moment où est ressenti le stress. En effet, en situation de stress, l'activation du système nerveux sympathique va entraîner une contraction des artères, et notamment des petites artères qui nourrissent les corps caverneux et qui apportent le sang artériel au moment de l'érection. Cette situation de stress va donc priver les corps caverneux de l'apport en sang artériel, et la pression dans le corps caverneux va diminuer jusqu'à ce que l'érection soit perdue. La deuxième situation est une situation de stress qui va durer dans le temps. Un stress au sein d'un couple, du stress ressenti au travail, eh bien ce stress, lorsqu'il est prolongé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus longtemps, va entraîner une fatigue généralisée et qui peut se matérialiser par une diminution de la sécrétion de TSH, l'hormone thyroïdienne, une diminution de la sécrétion de LH, l'hormone que l'hypophyse fabrique pour donner l'instruction aux testicules de fabriquer la testostérone. Ainsi, la situation de stress chronique va-t-elle induire une situation qui est défavorable à l'obtention d'une bonne qualité d'érection et au maintien d'une libido suffisante pour une activité sexuelle régulière? À bientôt.